carrière, elle commence. Donc j'espère qu'elle ira loin. C'est pas mal de commencer par intégration parce que vous touchez à tout et vous changez et vous amenez votre expérience dans le service qui va vous accueillir. Une fois qu'on est tombé dans l'intégration, en général, les gens aiment bien y rester, par choix, étant donné la diversité. Il y a énormément de métiers à Thalès. En fait, il y a une mobilité très importante au sein des intégrateurs. Vous pouvez faire de l'intégration pendant plusieurs années et ensuite passer au bureau d'études, voir l'ingénierie, voir au chef d'affaires. On n'est pas cantonné. Vous pouvez évoluer très très vite dans d'autres corps de métier. C'est vrai que pour des gens qui ont commencé plus dans l'entreprise, sur un sous-ensemble, une partie. Ils se disent, tiens, si je voyais un peu ce que ça donne, le radar complet, ils viennent et ils y restent un certain temps. C'est vrai que sur ce point-là, comme c'est une grande société, beaucoup de métiers sont représentés et on peut rebondir. Je pense que quand on est jeune et qu'on sort d'école d'ingénieur, on a un peu ce dynamisme d'apprendre et de butiner un peu, d'aller à droite à gauche et de pouvoir voir différentes choses. C'est un métier excessivement vivant, avec une technologie qui évolue toujours, donc le cerveau en ébullition en permanence, et on découvre énormément de choses. Et on mûrit, et on acquiert de la sagesse.